le Créateur de notre souveraineté, Congo, ton béni Congo, des aïeux Congo, ô pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Trente juin au doux soleil, trente juin du trente juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Tout d'abord, je voudrais m'excuser du retard. Il n'y a pas d'excuse là-dessus. Et c'est un événement que je tenais. Et alors, c'est ça. En tout cas, merci pour vous d'être venus. Distingués invités à vos titres et qualités respectives, c'est avec un réel plaisir et une joie immense que je prends la parole aujourd'hui pour participer à cette journée de réflexion consacrée à Maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani, épouse du prophète Simon Kimbangu, femme leader et modèle de leadership féminin au sein de l'église kimbanguiste. Distingués invités, d'entrée de jeu, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne tolère aucune forme de violence faite aux femmes. C'est dans ce contexte que le chef de l'État a lancé la campagne Tolérance Zéro immédiat le 19 juillet 2021. Il a réactivé la ligne verte, la 122, en faveur des victimes de violences sexuelles et basées sur le genre. Il a mis en place une feuille de route de l'addendum au communiqué conjoint en étroite collaboration avec les Nations Unies dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. En tant que président en exercice de l'Union africaine, il a mis en place la déclaration de Kinshasa sur la masculinité positive à travers l'Afrique. Et dans le même temps, j'adresse mes vifs remerciements aux organisateurs pour m'avoir associé à cet événement et avoir souhaité à tous, et je vous souhaite à tous et à toutes le bienvenu. Ainsi, je saisis cette opportunité pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour cette année 2022. Distingués invités, c'est une joie mais aussi une interpellation personnelle. Car activiste et défenseuse des droits et de la promotion de la femme, je me suis toujours posé la question qu'est-ce que j'aurais pu faire à l'époque de Maman Mwilu et qu'est-ce que j'aurais pu faire à sa place, surtout pendant la période coloniale où la femme venait à peine d'être autorisée à aller à l'école. Elle devait mener un combat politique messianique et idéologique de haut niveau contre les colonialistes belges, surveillant ainsi aussi son mari et ses enfants, pour associer et continuer son œuvre. Son histoire en dit long, bien que parfois j'étais dans les oubliettes, au même titre que les autres héroïnes comme Kimpavita et Donna Beatrice. Notre histoire, l'histoire africaine est, en Occident, étonnamment négligée, voire en Afrique elle-même, même dans sa fraction qu'on appelle cultivée. C'est souvent l'ignorance totale.
C'est pourquoi j'ai accepté de participer à la célébration et à la réflexion d'aujourd'hui, pour redorer le blason de notre histoire en ce qui concerne notre leader et héroïne de la foi kimbanguiste, Maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani. Notre mère, Marie Mwilu Kiawanga Nzitani, a cru et a suivi l'appel de son mari, notre grand prophète Simon Kimbangu, à suivre ses pas. À l'emprisonnement du prophète, elle a pris le leadership du mouvement maintenant la flamme de l'idéologie. Elle fut la porteuse du mouvement religieux kimbanguiste et est héroïne de la foi kimbanguiste. Soutenant les différents adeptes et prenant la tête de l'Église et du mouvement afin de pérenniser l'idéal de l'Église et permettre à la population congolaise de se retrouver. Les colonialistes ne pouvaient la laisser tranquille. Elle a vécu des violences sociologiques liées aux coutumes de l'époque, mais cela ne l'arrêta pas. Elle a dû subir des violences de toutes sortes, battue plusieurs fois, emprisonnée maintes fois, laissée affamée et soumise au cachot, exposée à la maltraitance, séparée de ses enfants pendant longtemps afin de l'amener à l'abdiquer. Mais elle ne perdit pas son courage ni sa foi dans l'œuvre qu'elle conduisait. Marie Mwilu fut une femme courageuse, un modèle de fidélité et d'abnégation et de leadership tel qu'on n'en trouve plus actuellement. Elles sont rares. Le besoin et l'urgence que le peuple a de se réapproprier et d'écrire son histoire passe par notre histoire révélée. L'histoire est et les hautes faits de Maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani, jusqu'au travers de ce pouvoir, jusqu'au travers de ce pouvoir à son fils Tata Ndanganda. Distingués invités, on ne peut oublier, ce n'est pas notre souhait. Toutes les générations des femmes exploitées, sacrifiées, réduites au silence historique et social, génératrices, travailleuses, occultées et anonymes, je rends hommage à cette femme, Maman Mwilu Kiawanga Nzitina. Puisse-t-elle aujourd'hui encore inspirer notre fait et geste afin de guider et d'éclairer nos actions. En ce qui me concerne, je ferai tout. Je ferai tout ce qui est possible et conformément à mes prérogatives pour que les aspirations et les plaidoyers de l'Alliance internationale des femmes avocates de la RDC, avec qui je travaille déjà avec tout ce qui concerne la violence faite à la jeune fille et le leadership de la jeune fille dans les différentes écoles, ici à Kinshasa déjà, ainsi que l'ASPL Logos Premier, puissent atteindre les autorités compétentes et au plus haut niveau. Pour clore mon mot, j'encourage les femmes à ne pas baisser les bras, à s'armer de courage et à faire bloc contre les fléaux de violence dont les femmes sont principalement victimes. Que vive la mémoire de notre maman Mwilu. Je vous remercie. Aura pour thème principal l'analyse juridique et sociologique des violences à Marie Mwilu. Et nous allons ainsi faire un plaidoyer avec des invités très prestigieux qui vont nous permettre un peu de. On va commencer par une invitée qui elle-même fait partie de la famille. Marie Mwilu, elle est avocate et chef des travaux de la faculté des droits de l'Université protestante du Congo, de l'entreprise
Voilà, merci beaucoup et je vous présente. Je vais me représenter parce que je suis maître maman Bibi qui se loquait Pété Maléka et je remercie la SEL pour son vercueil de m'avoir invité. Je suis ici en une double qualité de femme. De défenseur de droits des femmes et en plus de représentante de la famille biologique de maman Mulu Kiawanga Zitani, qui est mon arrière-grand-mère. Je vais faire un petit mot de la famille pour ne pas trop mettre mes émotions personnelles dans ce début d'activité. Excellence, Madame la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites aux femmes. Monsieur le Président de l'association Pensons Vercueil, Madame la Présidente de l'Alliance internationale des femmes avocates de RDC, Madame la Coordinatrice de Taïbel Logos Premier, Mesdames et Messieurs, membres de l'Alliance internationale des femmes avocates et estimés consoeurs, confrères, j'ai eu à poser la question à la Présidente pour savoir si à la LAIFA il y avait que des femmes membres. Elle m'a dit qu'il y avait des hommes, donc c'est pour ça que je me permets de parler des messieurs genrés qui sont là et je vous remercie d'accompagner les femmes de l'AIFA. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs. Au nom de la famille biologique et des descendants de maman Marie Mouilou, Kiawanga Zitani, dont je suis l'arrière-petite-fille, je tiens en ce jour à exprimer toute la reconnaissance de la famille aux organisateurs de cette cérémonie, l'association Pensons Vercueil et à toutes les associations qui se sont joints à elle, notamment l'AIFA et la SEL Logos Premier, pour plaider pour la reconnaissance de maman Marie Mouilou au regard de sa vaillante participation dans la lutte pour l'émancipation de l'homme noir à côté de son tendre mari. Quand je dis homme noir, c'est avec un grand H. Et quand je disais « à côté de son tendre mari », je citais le prophète Simon Kimbangu. Les remerciements de la famille s'adressent particulièrement à son Excellence Madame la conseillère spéciale du chef de l'État, en charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites aux femmes, et à travers elle, à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour son engagement de porter ce plaidoyer et de porter cette activité dans les hautes sphères des décisions de notre pays. Excellence Madame la conseillère spéciale du chef de l'État, je vous prie de bien vouloir accepter la gratitude spéciale des descendants de maman Marie Mouilou pour tout ce que vous avez déjà fait et aurez à faire pour cette femme de distinction dont les valeurs nous réunissent aujourd'hui. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous vivons actuellement une époque d'éveil, voire de réveil des consciences des peuples, et particulièrement d'éveil culturel, spirituel et identitaire du peuple noir. Cela se traduit par la recherche et la redécouverte de nos valeurs, de nos repères, de notre identité et de notre authenticité. C'est donc dans ce cadre que nous plaçons cette journée de réflexion et du plaidoyer pour la reconnaissance de maman Marie Mouilou Kiawanga comme héroïne nationale et africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, la vénérable Marie Mouilou, à l'instar de son époux, a connu toutes sortes d'humiliations et souffrances à cause de sa lutte pour l'égalité politique, sociale et économique des hommes. Tous les hommes, noirs, blancs, jaunes, étant égaux en droit et en dignité. Le film Mouille la résistance, qui va nous être diffusé tout à l'heure, va tenter d'en retracer les contours. Il célèbre celle qui, malgré le contexte politique, culturel, social et économique des années 1921-1959, a pu, grâce à son leadership, mener, influencer et inspirer ses contemporains
et imprimer sa marque à l'édification du mouvement spirituel et social initié par son mari, Papa Simon Kimbangu. En effet, même dans la clandestinité, Maman Marie Mulu a pu et a su présider à la destinée du Kintuadi, entendu comme mouvement d'éveil spirituel, social et culturel pour l'émancipation de la femme et de l'homme noir, et de l'homme congolais particulièrement. Sa lutte pour la reconnaissance de la place de l'homme noir dans la gestion de sa destinée et l'encadrement qu'elle a pu imprimer fait d'elle une meneuse d'hommes, une meneuse de troupes, un guide, un leader. Privée de la présence de son mari, emprisonné à vie à Elisabethville, actuelle Lubumbashi, et de son fils aîné, relégué à l'âge de 7 ans à la colonie scolaire de Goma, Marie Mouilou est mise en résidence surveillée, les villageois ayant l'interdiction de lui apporter leur aide. Mais malgré tout cela, Maman Marie Mouilou a résisté à l'oppression coloniale en organisant clandestinement des réunions et autres rencontres de prière avec les partisans de Simon Kimbangu, qui venaient de partout, notamment de l'actuel Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville et d'Angola. Bref, elle a entretenu la flamme du mouvement de libération. Pendant 38 ans, soit de 1921, année où elle prend la relève du ministère de Simon Kimbangu, à 1959, année de sa disparition physique, sa foi en Dieu, sa ferme conviction et sa fidélité à l'œuvre d'émancipation de Simon Kimbangu lui ont permis de faire preuve de bravoure, de constance, de résilience. Ce combat fut celui de toute une vie, le combat de sa vie. Cette activité, organisée par Pension Bercail et les différentes associations citées, est une occasion de célébrer sa lutte, de pérenniser et de transmettre les valeurs qu'elle a incarnées, car elle constitue un héritage commun qu'il faille sauvegarder. Que de sacrifices, que de privations subies, que de souffrances endurées, mais au final, que de réalisations accomplies. En cette ère de réveil des consciences, la jeunesse congolaise et la jeunesse africaine a besoin de ses repères. Mieux, la jeunesse congolaise et la jeunesse africaine est à la recherche de ses repères. Nous avons le devoir de lui offrir des modèles de constance, de persévérance, de courage, d'abnégation, de solidarité, de partage et d'amour. Marie Mulu Kiawanga Nditani en est un exemple. Honneur à celle qui, par sa détermination et persévérance, a marqué l'histoire du Congo, l'histoire de l'Afrique, l'histoire du monde. Elle demeure une source d'inspiration. Je saisis quant à moi l'occasion contre cette journée de réflexion pour mettre un accent particulier sur la place et le rôle combien important que la femme a joué, joue et continuera à jouer dans tous les secteurs de la vie de notre pays, de l'Afrique et du monde. Qu'un vivant hommage soit donc rendu à toutes celles qui portent la plus belle œuvre du monde et qui en assurent la perpétuité, j'ai cité la femme. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités, tout en renouvelant ma gratitude à son Excellence Madame la conseillère spéciale du chef de l'État, en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites aux femmes, pour son soutien et son implication dans cette démarche initiée par les organisateurs, je voudrais clore mon propos en vous souhaitant plein succès et en vous garantissant de la disponibilité de la famille de Maman Marie Mulu d'accompagner toutes ces activités qui sont organisées pour élever cette digne femme, cette digne mère du Congo. La cause, cette cause étant juste, je vous remercie.
membres de l'AFA. Et si le tombeau était en prise d'un diplôme obtenu avec une distinction en droit économique et actuellement, elle est en dernière année de master en droit public et international à l'Université libre de Bruxelles. Elle est venue à Kinshasa dans le but de poursuivre son stage professionnel au cabinet des bâtonniers national de Matadi. Vous avez la parole. Titre égalité respectif. Cette lecture du plaidoyer aura lieu en quatre parties distinctes. Premièrement, nous commencerons par parler du personnage exceptionnel qu'est Kiawangan Sitani, et nous replacerons les faits dans leur contexte historique. La deuxième partie sera consacrée à l'énonciation en fait, de la nomenclature juridique des instruments qui ont été violés dans son chef. La troisième partie sera une partie argumentative. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous devrions hisser Maman Mouilou au rang d'héroïne? Et nous terminerons par une brève conclusion en présentant nos demandes adressées à l'État congolais. Son Excellence, distingués invités, je vous invite donc à commencer la lecture de ce plaidoyer tous ensemble. Fille de Monsieur Fouca et de Madame Toumba Koussou, Maman Marie Mouilou Kiawangan Sitani est née le 7 mai 1880 à Nkamba, dans l'actuelle province du Congo central. De son union avec Simon Kimbangu, laquelle sera bénie le 4 juillet 1915, le jour même de leur baptême à la rivière Tombé, située non loin de la mission protestante de Gombe Loutété, elle aura trois enfants, Charles Daniel Kilosopele Lukelo, Salomon Paul Tengana Kiangani, ainsi que Joseph Yangenda Kontima. La vie de catéchiste que mène son mari à la mission BMS à partir de 1914 lui permet de vaquer paisiblement à ses occupations champêtres et de s'occuper de sa progéniture. Nous comprendrions mieux son courage héroïque en nous replaçant dans le contexte et les circonstances de 1921. Maman Mouilou est une villageoise résidente à Kamba, Gombe, Kinsuka, pendant que la colonisation bat son plein, dans les milieux ruraux où la femme n'a ni pouvoir ni considération devant les hommes. Papa Simon Kimbangu, chef catéchiste de la paroisse de Kamba, est à la tête d'une équipe d'autres catéchistes. Dans la hiérarchie de l'Église protestante, un membre est responsabilité pour sonner la cloche, aussi bien les dimanches que les autres jours de prière. Dans le village, la cloche ou la corne de buffle, voire d'éléphant, est aussi un instrument de communication pour les chefs de village. C'est ainsi qu'à Kamba, la cloche ne peut sonner que soit sur ordre du chef de village pour convoquer la population chez lui, soit par le responsable attitré de l'église protestante. Or, le soir de Saint-Avril 1921, Papa Simon Kimbangu, premier responsable de la paroisse de Kamba, ne donne pas l'ordre au chargé de la cloche, mais plutôt à son épouse, une femme, alors qu'il connaît bien la coutume et la place de la femme dans la société congo de l'époque. Le fait de ne pas choisir l'un de ses collaborateurs de la paroisse mais sa femme prouve que ce qui va se déclencher se démarquera nettement de ce qui est communément admis. Pour sa part, en obéissant à la demande de son mari, Maman Mouilou a eu le courage de poser un acte qui brisait la coutume, qui contrevenait aux principes existants. Le principe sacré coutumier était dès lors ébranlé. Qui plus est, cette cloche n'a pas été sonnée un dimanche, mais plutôt un mercredi, jour du marché Kontatou. Le mercredi 6 avril 1921, Maman Marie Mouilou sonne la cloche qui est exactement à l'heure fixée. Un culte national est organisé à l'issue duquel Simon Kimbangu se rend au marché organisé ce jour-là au village Narwa. Lui qui ne fume pas en raison de sa foi baptiste, s'y rend néanmoins pour vendre les feuilles de tabac en passant par Gombe Kisuka, le village voisin, où agonise depuis un certain temps une jeune femme au nom de Kiel Tondo. Brusquement, Christ lui apparaît et lui enjoint de sauver la malade. Obéissant, il entre dans la case où se trouve cette dernière et la guérit au nom de Jésus-Christ, en présence de son époux et de ses proches parents. Mais une fois guérie, à la stupéfaction générale, Kiel Tondo s'en prend à son guérisseur qu'elle traite de sorcier et d'auteur de sa maladie.
Malgré cet incident, les échos sur la guérison miraculeuse de Katodo se répandent comme une traînée de poudre dans la contrée et dans les pays voisins. Il se déclenche alors un afflux des malades vers Ugamba. Des foules déferlent chaque jour pour obtenir la guérison auprès de Simo Kimago. C'est le déclenchement d'un éveil des consciences du peuple, avec comme conséquence d'une part des défections au sein des églises catholiques et protestantes, et d'autre part une cruelle paralysie économique de pratiquement tout l'ouest du Congo-Kinshasa, voire des contrées frontalières du Moyen-Congo français et de l'Angola. Même les hôpitaux se vident. Cette situation provoque la colère et le mécontentement des églises et des commerçants, qui s'inquiètent de la perte ou de la décroissance de leurs activités économiques. Dès lors, il faut absolument mettre fin aux actions de Simo Kimango, d'autant plus que lui-même annonce sans embâche que plus tard, la colonisation ne sera plus, et que les peuples opprimés seraient libérés par Dieu de la domination étrangère. Ainsi, l'Église, le commerce et la presse se liguent contre lui, accusé de tenir aux masses noires un discours politiquement dangereux. Cela a conduit à la tentative d'arrestation de Simo Kimango et ensuite à son arrestation, après avoir passé 3 mois à prêcher à Banzansanda et dans les villages voisins. Notons aussi que lors des arrestations de Simo Kimango, Maman Milou a pris le courage de porter la malle des archives, c'est-à-dire les manuscrits, pour la cacher chez une voisine, la soustrayant ainsi du vandalisme et du pillage par le colon. Malgré les difficultés et les souffrances auxquelles elle a eu à faire face, Maman Milou a fait preuve d'un courage extraordinaire toute cette période. Passons à présent à la deuxième partie. Dans le souci de ne pas rendre la lecture de ce plaidoyer indigeste, étant donné qu'on fera une analyse plus détaillée de la nomenclature des instruments juridiques ayant été violés dans le chef de Maman Milou, je vais simplement faire une brève présentation des instruments dont il est question. Il sort du descriptif de l'avis de Maman Milou que, nonobstant l'existence des instruments juridiques nationaux et internationaux auxquels la Belgique avait adhéré, les droits de l'homme ont été méconnus et non appliqués, s'agissant de la liberté d'opinion, de religion et de conscience d'une femme qui a eu, aux yeux du colonisateur, le malheur d'être l'épouse de Simo Kimango, considéré comme un usurpateur et un perturbateur rebelle au pouvoir colonial. Tous les articles pertinents tirés de la conférence de Berlin de 1885, qui était en fait, on pourrait par exemple le citer dans son article 6, chapitre 1, qui dispose comme ceci, que la liberté de conscience et la tolérance religieuse sont expressément garanties aux indigènes comme aux nationaux et aux étrangers. Le libre et public exercice de tous les cultes, le droit d'ériger des édifices religieux et d'organiser des missions appartenant à tous les cultes ne seront soumis à aucune restriction ni entrave. Nous pourrons également citer la charte coloniale de 1908 et par ricochet la constitution belge du 7 février 1831. Cette charte coloniale, qui fut en réalité la constitution belge adaptée à la colonie, prévoyait des dispositions garantissant la liberté des indigènes. Comme l'indique cette charte en son article 1er, tous les habitants de la colonie jouissent des droits reconnus par les articles 7, alinéa 1er et 2, 8 à 15, 16, alinéa 1er, 22 et 24 de la Constitution belge. Pour terminer, nous pouvons énoncer la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950. Parlant de la Déclaration universelle, c'était donc la première fois qu'on se trouvait devant un instrument juridique international qui tente de substituer au bon vouloir des États qui s'efforçaient jusque-là de gérer cette question des droits de l'homme selon leurs propres normes. Il faut quand même souligner, il est important de faire cette distinction capitale, qu'elle n'a pas en fait de force contraignante pour les États. Mais néanmoins, la protection des droits et libertés qu'elle énonce a été inscrit dans bon nombre de constitutions nationales et de cadres juridiques internationaux, comme c'est le cas pour le Royaume de Belgique. Nous terminerons par la Convention européenne des droits de l'homme,
qui a été ratifié par la Belgique en 1955. Ce texte juridique est cette fois-ci contraignant et a pour but de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales en permettant un contrôle judiciaire du respect des droits des individus. Nous passons à présent à la dernière partie où nous tenterons donc de tracer les contours et nous répondrons à cette question. Pourquoi faire de Maman Milou une héroïne? Plusieurs raisons militent en faveur de la reconnaissance de Maman Milou comme héroïne. Tout d'abord, qui est héroïne? Selon le dictionnaire de la langue française, une héroïne, féminin de héros, est une personne qui fait preuve de vertus exceptionnelles et se distingue par sa bravoure, son courage, ses mérites, ou qui a joué un rôle principal dans une certaine situation en se dévouant à une cause. Maman Marie Milou peut être considérée comme une femme d'exception dans la conduite de sa vie face à des situations inhabituelles, voire difficilement surmontables, et dans un contexte politique, socio-économique et culturel très pénible, pendant la période difficile de la colonisation où les indigènes, noirs de surcroît, étaient considérés comme les rebuts de l'humanité. C'est ce qui finalement la distingue et la propulse au rang d'héroïne. Maman Milou peut donc à juste titre être considérée comme telle en raison de sa foi en Christ et de son dévouement envers son mari, de sa fidélité, de sa loyauté, de sa persévérance, de sa résistance, de sa résiliation et de son intégrité. Son action positive, son implication et sa participation à la pérennisation de l'œuvre de Simi Kimbangu, l'organisation du mouvement Kintwadi en une église officiellement reconnue avec une renommée internationale, la constitution d'un leadership autour de sa personne, de sorte à mener, influencer et inspirer ses contemporains. Elle peut être considérée comme la première chef spirituelle de l'église, kimbanguiste au regard de son apport à l'encadrement des partisans et sa consolidation, au regard de la sauvegarde et la poursuite de sa mission. Elle s'est appropriée le combat pour l'Église et la lutte pour l'émancipation de l'homme noir, initiée par son mari, et est arrivée à lui donner des corps. Quelles sont les motivations et les enjeux? Dans la société africaine du début du XXe siècle, placée sous le joug d'une atroce colonisation où la femme ne représente rien dans la société, sinon qu'un objet au service de l'homme, Maman Marie Milou Kiawanga se distingue donc en prenant la relève de la mission spirituelle de son mari, en plus de la charge des enfants. Sans aucune formation scolaire, elle réussit à organiser des sympathisants à la cause de son conjoint et à structurer le mouvement clandestin en un grand mouvement de résistance face à l'impitoyable répression coloniale et en dépit des traitements qu'elle a subis. Elle a donc par là jeté les bases structurelles de ce qui est devenu l'Église kimbanguiste aujourd'hui, avec près de 17 millions de membres à travers le monde, en exactement un siècle. Elle avait le choix, soit d'ignorer tout de son mari emprisonné à vie, pour vivre dans l'anonymat et en paix avec ses enfants, soit d'assurer la poursuite de son œuvre et faire face à l'oppression coloniale, au risque de perdre sa vie et celle de ses enfants. Mais elle a refusé de choisir la voie de la facilité et de la soumission. Elle a volontairement choisi le chemin le plus dur, celui de parachever la mission initiée par son épouse. Il faut savoir qu'en 1921, lorsqu'elle est séparée de lui et qu'elle a fait le choix de la continuité, Maman Marie Milou Kiawanga n'est qu'une jeune femme de 41 ans, qui accepte de consacrer les 38 années restantes de sa vie à cette mission en organisant de manière clandestine l'accueil des personnes venant indistinctement du nord de l'Angola, du Congo français et de diverses régions du Congo belge, en les instruisant aussi bien sur la manière de se comporter face à l'oppresseur que de s'organiser en assurant l'éducation de ses enfants et en les préparant à perpétuer à leur tour le ministère de leur père. La réussite de cette œuvre repose manifestement sur la contribution et la persévérance de Maman Marie Milou Kiawanga. À travers elle, toute une société s'est développée et s'est construite grâce à sa détermination et son travail. De là, un modèle de femme a vu le jour,
en s'identifiant à tous les attributs sociaux qu'on peut définir comme suite. Maman Marie Mouilou Kawanga, une épouse modèle, une mère, une éducatrice et formatrice, une résistante, une femme de foi, une femme de conviction, une femme leader, une femme charismatique, une femme jusqu'au boutiste. Marie Mouilou Kawanga, une femme brave et courageuse. Toutes ces valeurs réunies font d'elle une référence d'exemplarité dans un monde qui cherche encore à se bâtir. Là où plusieurs ont réagi par peur, elle a choisi le courage et l'affrontement. Là où plusieurs auraient renoncé, elle a tenu jusqu'à son dernier souffle. Là où plusieurs auraient échoué dans ce parcours, elle a brillé par le succès. On aurait voulu tant parler de cette jeune femme de 41 ans que la volonté de la réussite de l'œuvre et l'esprit d'abnégation ont habité jusqu'à s'oublier elle-même ou à oublier de vivre sa vie autrement que par et pour le sacrifice. Plus d'une femme dans le monde n'hésiterait pas non seulement à s'inspirer d'elle, mais aussi et surtout à lui rendre hommage. Passons à l'exposé comparé. Une société qui se respecte et qui se construit est celle qui honore ses dignes fils et filles qui se sont distingués au cours de son histoire afin de servir d'exemple aux jeunes générations. La société congolaise en particulier et africaine en général souffre depuis des décennies d'une inculture et de telle sorte que nous sommes dressés et plus enclins à glorifier les réalisations des sociétés occidentales tout en combattant délibérément toute valeur émergeant de notre propre société. Par attivisme, nous pensons que tout ce qui vient de l'Occident est meilleur. Si la France honore depuis le 15e siècle Jeanne d'Arc, une jeune fille d'à peine 19 ans, si la Grande-Bretagne est reconnaissante vis-à-vis d'Hélène Pancrus, si les Américains reconnaissent Rosa Parks et Catherine Switzer et qu'elles sont célébrées dans leur pays, pourquoi la République démocratique du Congo n'en ferait-elle pas autant pour Maman Mouilou? Faudrait-il que d'autres pays le fassent toujours, avant nous, pour nous réveiller, comme la Belgique qui vient de dénommer une place du nom de Maman Mouilou? Qu'ont-elles fait toutes ces personnes que je viens de citer, toutes ces femmes qui ont été hissées au rang d'héroïnes? Qu'ont-elles fait dans leur pays pour que leur gloire en dépasse les frontières? Jeanne d'Arc, jeune fille d'origine paysanne, s'est levée au XVe siècle pour libérer la France de l'occupation anglaise et a conduit victorieusement les troupes françaises contre les armées anglaises. Simone Séguin, à peine âgée de 19 ans, a intégré la résistance en France. La Britannique Emmeline Pankhurst a été pionnière dans la culture des droits des femmes en créant le Women's Social and Political Union. Son combat a contribué au droit de vote des femmes en Angleterre. Rosa Parks, surnommée la mère du mouvement des droits civiques, elle, dans un contexte qui a été considéré à cette époque comme exceptionnel, a pu dire non et a refusé en 1955 de céder sa place à un homme blanc. Elle est célébrée pour ceci et bientôt son effigie figurera sur les billets de 20 dollars. Elle est donc célébrée pour avoir était la première femme américaine à avoir dit non à cette époque, considérant le contexte de ségrégation que connaissaient donc les États-Unis à cette période-là. À ce palmarès, nous terminerons par Catherine Switzer, qui, elle, est célébrée pour avoir été la première femme américaine à avoir couru le marathon de Boston, 5 ans avant que les femmes ne soient officiellement autorisées dans la compétition. Ces femmes citées à titre d'illustration, et bien d'autres encore, ne doivent leur célébrité qu'à la volonté de leur pays de reconnaître leur combat et de les honorer. C'est ce plaidoyer que nous adressons au gouvernement congolais en faveur de Maman Marie Mouilou Kawanga, dit-elle. Pour terminer cette conclusion, nous adressons donc nos demandes à l'État congolais. Depuis son accession à l'indépendance, la République démocratique du Congo n'a jamais, je répète, jamais, élevé une dame au rang d'héroïne.
En dépit de la célébration de l'émancipation de la femme, celle-ci lutte encore avec acharnement pour faire reconnaître ses droits. La loi sur la parité s'applique laborieusement, de telle sorte que devient inédit le fait que pour la première fois, 27% des femmes ont fait leur entrée au gouvernement, ça m'a reconnu. Pourtant, parallèlement, la liste des hommes devenus héros nationaux s'allonge davantage. Quoi de plus normal que pour les actes de bravoure qu'on lui reconnaît, que Mamou Milou soit aussi élevée au rang d'héroïne nationale. Par ailleurs, comment ne pas lui jeter des fleurs lorsqu'on sait que de 1921 à 1959, elle a pris les rênes du mouvement kémaliste et nonobstant la vague de répression des colons à son encontre, la déportation d'une part et d'autre part les humiliations sur sa personne, elle tient bon et le dirigea d'une main de maître. De ce qui précède, étant entendu que l'action de Maman Milou est inédite et mérite singulièrement d'être soulignée, nous recommandons ce qui suit. Que Maman Milou soit élevée au rang d'héroïne nationale par le président de la République, chef de l'État, car aucun obstacle d'ordre juridique ou d'autre nature n'empêche cette élévation. Deuxièmement, que soit inscrit au programme scolaire l'histoire des femmes congolaises et africaines inspirantes, et notamment celle de Marie Milou Kawanga. Et pour terminer, qu'une place publique soit débaptisée au nom de Marie Milou Kawanga. Il peut s'agir soit de l'avenue Elingesa ou l'avenue Momono dans les communes de Ngiringiri et dans le quartier Kimbangu dans la commune de Kalamu. Ce sont là les doléances et demandes que nous adressons via ce plaidoyer. Son Excellence, distingués invités en votre titre et qualité respective, je vous remercie pour l'attention dont vous avez fait preuve. Sans être caché ce moment. Et puis on va continuer avec les autres intervenants. Donc voilà, on va ensemble regarder la position des filles. Je donne la parole à maman Jeannette Boussi, qui elle-même très bien voir à l'intérieur de la salle. On les remercie pour leur présence. C'est une ONG qui œuvre dans le secteur de l'environnement et une grande militante qui est engagée pour la protection de l'environnement, ce qui lui a valu plusieurs prix, dont le prix de la femme courageuse de la RDC, édition 2012, prix décerné par l'ambassade des États-Unis. Je vais lire un peu ce que j'ai préparé, parce que c'est la femme, c'est toutes les femmes qui sont concernées. Et on a aussi des genrés avec nous, donc c'est tout le monde, les Congolais, les Africains. Nous devons nous mettre debout pour parler de l'Afrique et que l'histoire de l'Afrique puisse aller de l'avant. Si moi personnellement je me suis intéressée à ça, c'est quand on a parlé de Maman Milou, je me suis dit oui, à l'école, nous avons étudié la résistante Jeanne d'Arc. C'est une résistante française et pourquoi pas une résistante congolaise africaine. Et je me suis dit tout de suite, je m'y mets et je m'engage. J'ai pas de discours à faire, je vais juste réveiller la conscience des femmes congolaises en particulier et les africaines en général. Maman Milou a été une résistante, prisonnière, pas dans les quatre murs, mais elle était plus que prisonnière. Torture morale, quand on vous dit que vos voisins ne peuvent pas vous approcher, vous ne pouvez pas aller chez les voisins. Je crois que c'est plus que la prison dans les quatre murs. Parce qu'au moins à Makala, les prisonniers se parlent et ils ont un moment de distraction. Mais cette femme, moralement, elle était torturée surtout dans tous les sens. Elle ne pouvait même pas parler à qui que ce soit. Vous vous rendez compte, et même on vous prend votre fils, on part avec lui, vous voyez qu'elle est là. Comment on a torturé cette femme moralement, physiquement? Bon, je dis quand on ne veut pas parler,
à ses voisins et à Makala. Nos enfants doivent apprendre l'histoire de la RDC et de l'Afrique. Et non seulement l'histoire, comme je l'ai dit, de la résistante Jeanne d'Arc. On nous a appris Bonaparte, on nous a appris les quatre saisons, et nous n'avons que deux saisons. On nous a parlé de Hitler, et pourtant nous avons des hommes aussi qui ont résisté. Sur le plan sociologique, chaque personne présente dans cette salle, nous devons prendre l'engagement de promouvoir nos icônes. Et nous ne restons pas dans la coquille religion, tribu, sexe. Quittons cette coquille-là. Les jeunes doivent apprendre ce qu'a été leurs ancêtres, leur culture, leur coutume. Nous avons perdu beaucoup. Moi, je donne mon exemple. Quand vous m'appelez madame, je vais vous faire rire. Hein? Il faut rire un peu. Je vous dis non. Appelez-moi maman, parce que je suis une maman. Il est témoin, quand il m'appelle madame, je lui dis non, moi je ne suis pas madame, je suis maman. Et je fais rire les jeunes, je dis, excusez-moi, je fais rire, hein. Si Brigitte appelait Macron, si Macron appelait Brigitte maman, c'est le sentiment maman qui allait rester, et pas le sentiment madame. Et il n'allait pas prendre Brigitte en mariage. Là, oui, l'histoire de maman Milou doit dépasser nos frontières. On ne doit pas retenir maman Milou pour moi, pour nous, pour les Kimbanguistes, pour les catholiques, pour ceci. Mais ça doit dépasser les frontières. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette activité, nous commençons une nouvelle ère où nous allons promouvoir le genre tous ensemble, et les hommes et les femmes. Nous devons promouvoir le genre, parler de ces femmes, parler de ces héros, parler de ces héroïnes. Nous avons beaucoup de mamans Mouilou en RDC. Aujourd'hui, nous avons des mamans Mouilou à Beni, à Ituri, des femmes, on égorge les enfants. On égorge les maris et ces femmes sont en train de courir partout dans la savane, dans les forêts. Elles sont seules et n'ont pas de secours. Mais je pense qu'avec l'aide de Dieu, ça ira. Je prends l'exemple de la maman, une Mouilou aussi, de la maman de Moïse Pierre Ndakabaï. Cette femme n'a pas étudié. On avait tué son mari aussi par les colonisateurs. Et son enfant, on l'a pris, on l'a amené en Belgique pour les études. Elle a été une résistante. Elle a repoussé la rébellion mouléliste à Nzibira, à Businga, à Nyangezi, dans le sud Kivu. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons quitter la coquille de sexe, de religion, de province où on doit parler, donc on doit considérer que c'est le Congo, c'est la Congolaise, c'est le Congolais et plus c'est l'Afrique aussi. Je m'excuse aussi de parler de moi, mais l'histoire oblige. Ma mère, Thérèse Mwakami, c'est aussi une Mouilou. On a arrêté son mari pour on l'a condamné pour 10 ans. Vous pouvez vous imaginer le tribunal militaire qui condamne un civil. J'ai bien aimé Nestlé a parlé que les colonisateurs ne voulaient pas l'émergence des Noirs et des Congolais. Et c'est ce que mon père a vécu. Il était éveillé. Et en 69, il a créé une société minière, Union minière du Kivu. Il voulait imiter l'Union minière du Katanga. Mais les colonisateurs, voyant cela, ils ont tout fait et on a arrêté mon père.
Mais ma mère ne savait ni lire ni écrire. Mais ma mère a défendu son mari. Et quand elle allait au tribunal, en observant seulement l'avocat, il savait, non, cet avocat n'a pas bien parlé pour mon mari. Elle allait, elle arrachait le dossier. Et c'est comme ça que son mari n'a fait que 9 mois en prison, au lieu de 10 ans. Et sans études, sans rien, elle a continué à surveiller la société de son mari et nous encadrer, nous, les enfants. Donc, nos enfants doivent connaître qu'au Congo, en Afrique, il y a eu des femmes fortes sans diplôme comme Maman Mouilou. En conclusion, nous remercions les organisateurs de cette activité et cela ne pourra pas s'arrêter à Maman Mouilou. Engageons-nous à promouvoir les femmes qui ont marqué l'histoire de la RDC et en Afrique. On a cité Kimpavita et on a cité d'autres femmes. Et je crois que nous, les femmes, nous devons porter cet étendard. Parce que si nous, les femmes, nous ne nous mettons pas debout, nous félicitons l'homme qui a eu cette idée et nous devons l'accompagner. Aux femmes, soyons fortes et soutenons-nous. Malgré son mari en prison, à des milliers de kilomètres, Maman Mouilou n'a pas trahi son mari. Maman Mouilou est restée fidèle à son mari. Jusqu'à la mort, Maman Mouilou n'a pas eu d'autres enfants parce qu'elle savait que son mari ne reviendra plus jamais. Les filles, les jeunes, c'est une grande leçon. Nous demandons aussi qu'à l'avenir, dans nos programmes scolaires, on puisse inscrire l'histoire de Maman Mouilou, ainsi que celui des autres femmes congolaises et africaines qui ont marqué. On a les Winnie Mandela qui ont aussi résisté malgré après, je ne sais pas, mais c'était aussi une femme qui a résisté. Et on en a beaucoup de femmes en Afrique. Nous les Africaines, nous les Congolaises, mettons-nous debout, la main dans la main, quand on a des bonnes idées, qu'on aille de l'avant. Que nos enfants puissent connaître l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Congo, et je pense que c'est par nous-mêmes que l'Afrique pourra se relever. Il ne faut pas attendre de l'autre côté pour qu'on puisse venir développer l'Afrique. Nous allons développer notre Afrique si nous le voulons. Et la maman est une conseillère. Parce que quand la maman dit à papa, après nous, je crois que ce que tu as dit là, quel que soit l'orgueil de cet homme, il écoute toujours sa femme. Et la femme est une éducatrice. Quand elle prend la décision de parler à ses enfants, de parler à son entourage, je crois qu'elle est écoutée. Et nous avons l'exemple du Libéria. Ce sont des femmes qui ont fait que la guerre puisse prendre fin au Libéria. Alors les femmes, mettons-nous debout, allons de l'avant avec tous les genres qui veulent nous accompagner. Que la mémoire de Maman Mouilou et de toutes ces femmes qui ont subi des violences ne soit pas oubliée. J'ai dit et je vous remercie.
Regardez, j'en ai aucun vieux. Mais c'est quoi ça? Vous savez très bien que vous emmenez le prisonnier du Mago à le relever. Le mécanicien et moi, à mon frère. Et moi, de même, je dois partir dans une contrée lointaine et laisser les miens. Qui est celui-là qui doit voyager sans prévenir les siens? Comment peut-on quitter les pays? Ok, je vais m'en charger personnellement. Je vais moi-même chercher la femme. Mes impressions sont très bonnes et l'écho est parti puisque l'objectif du film, du plaidoyer et du prix Maman Mouilou est de porter sur le plan national et international le nom d'une héroïne, d'une femme qui a marqué son temps, qui a marqué les générations futures puisqu'elle a relayé le message de son époux Simon Kimbangu. Et à cause de ces actions, aujourd'hui nous parlons du kimbanguisme, aujourd'hui nous parlons de cet élan de révolution qui a fait que nous puissions avoir l'indépendance, d'abord dans les idées, les mentalités, mais également l'émancipation du peuple congolais qui a repris le contrôle de sa vie et de son destin. Et les générations futures que nous sommes, nous avons le devoir de porter justement cette héroïne pour qu'elle soit reconnue sur le plan national et international comme une héroïne. Est-ce que vous vous rendez compte que dans ce pays, nous n'avons pas une seule femme jusqu'à présent qui a été officiellement reconnue héroïne nationale dans ce pays, alors que nous avons des femmes comme Maman Mouilou qui ont posé des actes, et nous en avons jusqu'à présent qui continuent, des actes qui ont eu un écho énorme et qui ont apporté quelque chose dans ce pays, mais ces femmes sont délaissées pour compte, ces femmes ne sont pas reconnues à leur juste valeur. Nous, l'Alliance internationale des femmes avocates, AIFA, dont je suis la présidente, nous nous sommes associés à ce projet pour porter le plaidoyer, porter tout ce qui concerne les questions relatives au sort de Maman Mouilou sur le plan national et international, et pour que ces droits, le droit à une reconnaissance nationale, lui soit appliqué, et pour que finalement tout le monde puisse connaître cette femme et pour qu'elle puisse, son histoire puisse servir de modèle aux générations que nous sommes et aux générations futures. Très positif même je dirais, parce que parmi les intervenants il y avait Maman Bibi qui est l'arrière petite fille de Maman Mouilou. Elle a parlé, elle a vraiment bien expliqué, parce qu'il y a pas, il y a juste une ou deux ans, le nom de Maman Mouilou n'était même pas connu, et le nom de son mari Kimbangu était l'objet des insultes, il n'y a pas longtemps. Mais quand les gens découvrent, il est parfaitement normal qu'il y ait des interventions ou des divergences d'idées, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était très positif. Non, la science évolue. En tout cas, l'endroit ne compte pas beaucoup dans le cinéma. On peut tourner dans un, je dirais, dans une salle pour faire aux gens, faire croire aux gens qu'on était dans la Lune. Ça, c'est, dans le cinéma, c'est autorisé. On n'est pas obligé d'aller tourner, vraiment monter avec le vaisseau spatial pour aller dans la Lune tourner. L'endroit ne compte pas. Parce qu'en Kamba, et si vous allez bien réfléchir sur ça, vous verrez que les Bakongo aiment bien construire. Les Nkamba ou les villages environnants de ces années-là ne correspondent pas. Il y a des maisons bien construites avec des matériaux durables. On ne va pas tourner un film ancien où les gens vivaient dans des cases et huttes, dans des maisons bien construites. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment trouver un endroit qui peut ressembler. Voilà, parce qu'on n'a pas de moyens pour construire des villages, c'est maintenant qu'on veut essayer de le faire.
les sites de tournage, mais on peut chercher juste, repérer un endroit qui ressemble à peu près aux constructions anciennes. Voilà. La réaction d'abord est de remercier d'abord tout le monde parce qu'il y a des gens qui ont apprécié, bien que beaucoup ne sont pas vraiment convaincus de l'action, des actions qui se trouvent dans le film. Je ne sais pas, les autres croyaient que ce serait un film en action, il y a de la guerre et tout, mais je ne sais pas. Mais pour moi, je remercie tout le monde qui a passé son temps ici, a laissé ses préoccupations et autres pour venir assister puis voir le film. Je suis tellement contente aussi de toutes les remarques. Et puis on les prend en considération et puis on va améliorer pour la prochaine fois. Non, j'étais pas gêné, au contraire. Parce que cette clémence ne va pas aider le projet. S'il faut attendre toujours une assistance qui va vous cajoler, ben vous n'allez jamais améliorer. Mais c'est ce que je leur ai expliqué. Il faut savoir les objectifs poursuivis par chaque film. Mamamoulou, on peut faire des films avec plusieurs thématiques. On peut faire un film comme femme leader, on peut faire comme une femme combattante, on peut faire comme une mère au foyer, une maman qui prend soin des enfants. On peut montrer trop de choses sur Mamoulou, uniquement pour l'enfant. Et nous, notre film, l'objectif, c'est montrer qu'elle a été résistante. Comme je l'ai dit dans ma dernière intervention, elle a eu une mission contre vents et marées. Elle a amené ça à bon port. Et elle a résisté à tout ce qu'il y a eu comme attaque, menace et consorts. Donc pour nous, l'objectif a été atteint. Maintenant, je comprends que les gens qui veulent voir plus de Mamoulou ne soient pas totalement satisfaits. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a, il y a nécessité de faire l'autre partie, où on ne va pas montrer ce qu'on a montré aujourd'hui, mais on va montrer les autres aspects de Mamoulou qui fait d'elle aussi une femme d'exception. Oui, c'est la sortie officielle, je dirais, c'est la première projection de notre film à Kinshasa. C'est en RDC. Donc c'est parti, et là maintenant, nous allons faire la tournée pour que tout le monde puisse voir le film. Nous avons intitulé la journée d'aujourd'hui une journée d'analyse. Et vous avez vu comment est-ce que chacun a développé pour qu'on puisse analyser un peu les faits qu'ont subi Mamoulou. Et c'était aussi l'analyse pour le film. Donc nous avons ensemble analysé le film. Donc cette interrogation, nous l'aurons chaque fois que nous allons projeter le film. Moi j'aime bien. J'ai dit d'ailleurs merci à Haïfa. Je répète ça parce qu'ils ont pris en charge la collation de tout le monde dans la salle. Ils ont payé de leur argent. Donc ça me va droit au cœur. Encore merci Maître Joël pour cette volonté, cet amour de mener ce combat ensemble avec nous. Le programme est que notre film est retenu au Festival international des films éducatifs du Cameroun, le Festival Coman. Et le film sera projeté dans leur festival du 3 au 5 février. Donc c'est un festival qui se déroulera du 3 au 5 février et notre film sera projeté probablement le 5 février. J'ai déjà reçu l'invitation, donc dès que j'arrive en Belgique, je prends mon visa, donc je serai au Cameroun le 2 février et je vais rester jusqu'au 7 pour rentrer.